ça... Oh, attendez, hop là, ça... Voilà, donc salut à tous et à toutes, c'est moi, le 9 plus 500, et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 14, si je compte bien, de Donkey Kong Country Returns. Et ouais, pour une fois, j'ai fait une intro à peu près normale. Bon, si j'avais pas déplacé ma chaise, ça aurait été encore plus normal. Je fais jamais d'intro normale, genre tranquille et tout, non, non, faut toujours qu'il se passe quelque chose. Bref, sinon, donc, dans l'ancien épisode, qu'est-ce qui s'était passé? Et dans cet épisode qui remonte à très longtemps, excusez-moi, mais j'ai beaucoup de mal à tourner des épisodes sur la Wii, donc excusez-moi. Du Low Riker. Et j'ai fait un peu la même chose pour Dead Space, vous verrez. Bref, donc dans l'ancien épisode, qui s'était passé? Bah, dans l'ancien épisode, on avait terminé le 7ème monde qui était les usines, et on est arrivé au dernier monde qui était le volcan. Et comme je vous l'ai dit, cet épisode, c'est l'avant-dernier, logiquement. Donc, feu furieux, on y va tout de suite. Here we go. Oula. Hop là. Bon, alors logiquement, pas de reflet. Si tout se passe bien. Putain, il fait sombre. Enfin, il fait... lumineux. Oh. Alors, je vais vous le dire, mais là, ce qui est marrant, c'est que là, en face de moi, il y a ma cuisine. Et il y a une fenêtre. Et là, je vois mon chat qui, à un quart d'heure, il m'a fait peur. Je sais, putain, qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est bon. Alors, ce qui est marrant, justement, il y a une porte pour dire, oh, vous avez vu, vous êtes passé de l'usine au volcan. Alors, bien évidemment, les endroits de feu sont toujours très lumineux. Alors, ça fait un peu longtemps que j'ai pas joué au jeu. Oh, des piments de feu, purée. Faut que je me remette en tête comment ça se joue. Pas compliqué, hein, mais... quand même. What? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas feu furieux, ça devrait s'appeler feu follet, mais bon. Alors, peut-être qu'après c'est un jeu de mots, pourquoi genre feu follet, feu furieux, voilà. T'as compris, le DRXD. Oula, 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 un peu purée! Alors eux, ils vont être extrêmement chiants, je le sens. Ouh la vache! Je le sens pas du tout ce niveau. Wouah! Laisse-toi! Et c'est ce qui s'appelle avoir eu chaud au cul parce qu'il y a du feu. Ouais. Ouais. J'aime pas en un jour. Bref. Reste baissé, c'est une très bonne idée, je trouve. Banane flambée. Voilà, l'humour est présent ce soir. Ok, je dis ridicule et j'y arrive du premier coup. La logique! Bref, alors lui, il va me saouler, je hais ces monstres. Petit fumier. Oh, mais va te faire pendre! Je peux faire mon truc tranquille, espèce de petit. Bon, je sais qu'il y avait forcément un truc de l'autre côté, mais bon. Voilà quoi. What? Ok, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Ça, je m'en doutais que ça allait se péter la tronche. Ça se voyait à 3 km, quoi. Ok, si vous voulez. Alors, attends, il passe où lui? Ah, d'accord, il disparaît derrière. Très bien. Ok, bon, bah, c'est pas très... Y'a rien, c'est des piments de feu. Ah, attendez, elle est où là? Voilà, elle est là. Putain, tu te mets tellement, toi. Non, attends. Hop. On se laisse. On t'arrête. Hop là, voilà, parfait. Bon, c'est sûr, il y a quelque chose, hein. Voilà, gagné. Après 7 mondes, je pense qu'on a l'habitude. Oh là, d'accord. Ça va, c'est pas les plus durs, ça, encore. Hop là. Et voilà. Non, pas de reflet. Parfait. Perfecto. Tout s'est passé très bien. Tellement pas
bizarrement. Ah oui, t'es là. Je me disais, c'est quoi ce bruit? Oui, je parlais à mes chats. Enfin, mon chat. Ouais, vous êtes mignon, mais laissez-moi un petit peu le temps. Hop. Hop. Wouah. Je te tue et je passe. Wouah. Ça chauffe de partout. Un gros que dalle. Je déteste tellement ce petit. Oh la vache, j'ai cru que j'allais prendre sa boule de feu. Oula, attendez. Ah, ok, elle est là, la dernière lettre. Franchement, là, je vais pas vous mentir, je me concentre vraiment sur les lettres. Là, je veux vraiment récupérer que les lettres et rien d'autre. Les pièces de puzzle et tout, pourquoi pas. Merci, Pompon. Excusez-moi du terme, c'est sorti tout seul. Ah, c'est que là, je comprends pas trop par où ils passent, comment ils font. Ok. J'ai pas compris, mais bon. On s'en fout de la vie, hein, j'en ai masse. Ouah, purée. Regarde-moi ces bandes de fous, ils mettent le tonneau sur des plateformes qui s'écroulent, donc tu dois te dépêcher de récupérer, sinon tu meurs comme une merde. Bon, bah, franchement, je suis pas mort. Je suis choqué en 7 minutes. C'est long, mais bon. Purée. Mais je suis choqué, je suis pas mort. Allez, hop, la cabane, comme d'habitude. Hein. Dis à ces tiki de baisser d'un ton. Je suis vieux, j'ai besoin de repos. Je vais dire baiser, hein, mais bon. Ouais. J'ai toujours du mal avec le S, s'il y a un seul S ou deux. Comment ça se prononce? Rien qu'avec ce mot, hein, pas les autres. Hein. Je ne m'attends pas vraiment à te revoir, mais bon, on verra si la chance te sourit ou pas. Merci, papy. Moi aussi, je t'aime. Ouais. Il y avait combien de niveaux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 8 avec le boss, ouais, donc on fait 4 niveaux, ouais. Fougueuse fusée. Sentez ce que je sens? Je sens le niveau en tonneau fusée. Je sens bien là. Oh oui! Oh, ça sent! Attention! Ah, d'accord, réception 1. Ah, peut-être pas, attendez. Peut-être que le jeu va me surprendre. Alors, oui, j'ai vu, il y a un tonneau là. Ah non, si. Alors, j'ai vu, il y avait un tonneau pour aller chercher une pièce de puzzle, mais comme je vous l'ai dit. Voilà, pour ceux qui ont dit je m'en fous des pièces et maintenant il y a que la lettre qui m'intéresse, vous avez gagné. Que dalle. Voilà, vous avez gagné le droit de mettre un gel. Et j'avais raison, c'est bien un niveau en. Un niveau où si tu frôles tes cheveux, tu meurs. Un niveau en tonneau fusée. Voilà, il est là, mais j'ai pas envie. On s'en fout de toute façon. Le tonneau, même si j'ai un ou deux cœurs, c'est pas grave, ça change rien. Dans les deux cas, si je frôle un mur, je meurs. Ah, ça y est, ça commence. Oh, purée. Je déteste ce genre de niveau. Oh putain, mais attends, ça arrive par derrière aussi. Non, mais les gars, vous calmez dans la vie. Mais what? Alors, par contre, c'est pas pour paraître mauvais joueur, mais juste un truc. Les boules de feu sur un fond bah, qui a exactement la même couleur. D'accord. Ce que je disais, donc les boules de feu qui ressortent exactement sur un fond qui a exactement la même couleur que ce qu'on doit éviter, c'est comment dire, c'est un peu relou. Juste pour dire. C'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais bon, tant pis. Et tant pis. Est-ce qu'on peut passer ça tranquillement, sans s'embêter? Le premier niveau, je l'ai passé tranquille, sans mourir. Mais là, on rigole moins. Attention, c'est le dernier monde, hein, faut pas s'attendre à des niveaux très simples. Hein. Putain.
sérieusement, c'est genre de, ce genre de niveau me pète les pieds. Je vais être franc avec vous, hein. Mais je veux pas, mais putain! Mais... Oh, mais je m'en fous! C'est pas possible, ça! Oh, ça y est, ça commence, là. Tout me chope, alors je le veux pas. M'en fous de toi. Par contre, j'aimerais bien un checkpoint, les gars. Je sais pas trop demander. Soit trop haut, soit trop bas. Allez, on continue la fête. J'aime pas ce genre de niveau dans Donkey Kong, je vais le dire très clairement, parce qu'il faut jauger et c'est... Va te faire foutre, et c'est horrible. Et le problème, c'est que quand tu meurs pour la millième de fois, t'as envie d'accélérer, d'aller très vite, et tu meurs comme une monster. J'aime pas trop comment on doit jauger, en fait, le tonneau, parce que je trouve ça trop... sensible, merci. J'appuie à peine sur le bouton. C'est serré, sérieux. Mais ça m'a frôlé les cheveux. Non mais sérieusement. Non, les poils. Il y a pas vraiment de cheveux. Non mais sérieux, les gars. Ça me frôle la crête, quoi. Espèce de coupe de cheveux qu'il a, donc quelconque, là. C'est ça que ça me frôle. Le petit bout qui dépasse. Et je meurs. Oh, ça va. Un poil en moins, ça va pas le tuer, hein. Regarde les filles, non mais mauvais exemple ça, c'est bon, mais gueule. Oh là 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 là. Je vais détester ce niveau, je le sens bien là, mais bien comme il faut. Et en fait, on doit regarder ce qui est devant nous et derrière nous, mais je vais tuer des gens. Je sens que ça va commencer à me faire chier ces conneries. En plus, je crois, je sais. Il y en a certains d'entre vous qui m'ont dit bonne chance pour le dernier monde. Merci. On sent les gens qui ont souffert du jeu. On va suivre les pièces, ça te dit où il faut aller. Puis en plus, je dois aussi regarder pour moi pour voir si jamais il y a les lettres qui apparaissent. Oui, on se voit, merci. Oh oui, putain! Oh, ça, c'est cool. Merci, les gars. Oh, c'est classe. Et ça a l'air très cher. Oula, oula, oui. Oula, oui. Oui, 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 oui. Et merde. Bon, tant pis, hein. De toute façon, là, je peux la refaire hors caméra, les lettres con. Merde. What? Mais quoi? J'ai vu la... J'ai vu où était la dernière lettre, mais le temps que je la vois, bah, c'était déjà passé. Ah. Non, ça me rappelle un niveau avec les araignées. Oh mais non, mais... Mais ça se passait bien, là. Non, on va te leur foutre avec ton pouce, hein. Oh mais merde, ça se passait bien, les gars. Et vos trucs de feu, là, l'espèce de dragon de feu, je les frôle et je les touche limite. Même, on peut le dire très clairement, je les touche et là je meurs pas. Par contre, frôler les cailloux avec mes cheveux, là, par contre... Ah non, là, par contre, tu meurs. Non, là, pareil, j'avoue. Non, attends, il faut le faire. On va quand même essayer de récupérer toutes les lettres, parce que c'est toutes... Toutes les lettres, bien sûr, français parlait bien moi. Toutes les lettres, ça éviterait du boulot en moins après. Le feignant. Pourquoi ? C'est un truc qui m'énerve dans les jeux vidéo, souvent chez moi-même. Il y a un truc très chiant à voir. Je réussis du premier coup. Je meurs, donc je veux le récupérer. Et là, après, j'y arrive plus. C'est bizarre, hein ? Genre là, j'ai réussi à récupérer cette lettre du premier coup, tranquille. Du premier coup, quand j'ai essayé de la choper, hein, mais non, parce que la première fois que je l'ai vu. Mais voilà, regardez, ça m'a touché, là, et je... Mais va te faire foutre, toi. Enfin, moi, ce que je disais, c'est que là, ça m'avait touché, mais... Bien, on l'a bien vu, et non, là, je ne meurs pas. Il va falloir m'expliquer la logique. La logique. Attends. Peut-être y arriver un jour. Je l'ai dit un jour, hein. Et j'ai encore deux niveaux derrière.
là, il va y avoir un petit con qui va sortir de nulle part. On remonte. Voilà, merci. Il faut tellement, mais... C'est pas la meilleure solution. S'il te plaît, la fin. Oh putain, et en plus j'étais presque à la fin quand je suis mort tout à l'heure là. Arrête-toi, merci. Ok. Bon, au moins j'ai récupéré toutes les lettres. Et 3 pièces de puzzle sur 5, bon ouais. Les pièces de puzzle dans ce genre de niveau, c'est pas les plus compliquées parce qu'il suffit juste de récupérer toutes les grappes de bananes sur un chemin, puis c'est le 3 et le 3. Ok. On va d'abord faire le 3. Le train d'enfer. Vous sentez le niveau en chariot? Non, attendez. Vous sentez le niveau en chariot? Voilà, c'est bien. Et avec le... Bien classe. Je vais pas déboucher, hein, pour une fois. Mais bon. Oui, je vous raconte ma vie. Si ça vous intéresse-t-il. Non, pas du tout. Bref. C'est bon, le chemin. Non. Je déteste ça. Ah non! Oui, c'est bon. Je vois quel niveau c'est. Oh, il est... Il est chiant celui-là? Je sais plus. Je sais plus trop s'il est chiant. Ah, j'allais dire, ouais, bonjour. Alors, il y a une caisse en bas. Non, attendez, d'accord. Ok, c'est comme ça. Oh, attendez! Attendez, mais. Wow! Ah, ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. D'accord. Autant me faire mourir tout de suite, ça ira plus vite. Mais oui, c'est bien ce niveau-là. Il est bien chaud. Oui, il y a de la lave, donc chaud, là, lol. C'est bon. On y a tous pensé. C'est très drôle. Au revoir. Voilà. Elle est où cette lettre? Elle est là. Et là, faut pas s'arrêter, là. Sauf là. Alors, ce qui m'énerve dans ce genre de niveau, c'est que vous êtes obligé au moins de mourir au moins une fois. Parce que vu qu'il y a deux chariots, là on l'a très bien vu, il y avait deux chariots, et dans ma tête, je me disais, bah, lequel c'est pour avoir soit l'item que je veux, soit pour moi m'embêter à finir le niveau. Va te faire mettre. Et bah, le problème, c'est que vous ne savez pas. Et vu que ça ne s'arrête pas, le jeu va pas vous attendre, hein, et bah, c'est du pif. Tu choisis. Donc là, vu que je ne savais pas, bah, j'ai sauté pour essayer de choper le chariot, parce que je pensais qu'il allait se passer. Mais non, ça va passer. Et donc je suis mort. Allez mourir. Merde, c'est vrai, putain. Oh là 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 là. Mon cerveau est lent. Mon cerveau est très très lent. Ah, je te jure. On va y arriver. Vous y croyez pas? Vous croyez en moi. Allez, speedrun, non, je rigole. C'est pas mon souci, speedrun. Ça ne sera jamais mon truc, je pense. Hop, voilà. Hop. Là, on reste concentré, voilà. Là, on se baisse. Là, on saute. Là, tu veux que j'esquive ça comment? Ah, d'accord, j'ai compris comment choper cette lettre. Mais. Ouh! Cerveau, réveille-toi. Non, là par contre, la boule de feu quand j'ai sauté, vous voulez que je l'esquive comment là? Je suis obligé de me la prendre. Non, mais d'accord, j'étais obligé de me la prendre là. Je pouvais pas faire autrement. C'est pas possible, attendez, là je suis en train de. Attendez, je suis en train de me dire là, c'est bizarre. Hop. Oh, je déteste ça! Je déteste quand le jeu te fait ça et qu'il t'élance trop loin du chariot et donc tu meurs comme une merde! C'est génial! J'aime la vie! Ou la mort plutôt, vu que je n'arrête pas de crever. Non, franchement, cette boule de feu, vous voulez que je décide comment? Je saute pourtant, hein, je sais ce que je fais, merci. Je sais appuyer sur un bouton, mais bon. Oui, faut que je dise des conneries pour meubler. Mais avance! Ok. Juste parce que j'ai bougé un tout petit peu la manette, c'est bon, le mec il s'arrête. Merci. Merci, Doki. Donkey. Je
sens que ce dernier monde va commencer à me saouler légèrement. Juste un peu. Légèrement, hein. Pas beaucoup. Hein. Attendez, le carnage me perturbe beaucoup. Non, c'est bon. Ouais, je sens qu'il va commencer à me saouler ce monde. Et le boss final aussi. Tu marches à l'heure, non ? C'est drôle. Et on saute. Et... Il a voulu que je fasse comment ? Il m'a fait peur, cet idiot. Mais quoi ? Mais... Oh, mais... Ah, oh, mais ça va trop vite! Il n'y a pas de point de sauvegarde là! Sérieusement, j'ai déjà récupéré 3 lettres, il y a 0 point de sauvegarde. Contrôle! Ah, oh, ça va tellement vite! Mais c'est chiant! Ça va tellement vite, t'as pas le temps de comprendre! Tu dis, quoi, qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Qu'est-ce que c'était? Je suis mort par quoi? Je sais pas, on s'en fout! C'est ça, je crois. Oui! Oui, je vais faire une connerie encore. Comme d'hab, je fais tout le temps des conneries. Là, je comprends pas. Bah voilà, c'était pas compliqué. Bah oui, je le savais. Vous savez pas, mais... Le mec qui a rejeté la faute sur les deux. Hop. Il est là, lui. Oh, purée. Mais j'en ai marre de mourir à 1 mm du checkpoint. Ça m'énerve. What? What? Attendez, quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est l'apocalypse sur Terre! Hop là! Wow, purée! Vous êtes vraiment des sadiques, les gars. Monte. Et on repart pour un tour! Yeah! J'attendais celle-là, tu vois. Oh yes! Oh purée, enfin la fin! Enfin la fin, c'était bizarre de faire ça. Et j'ai encore toutes les lettres! Eh mais ça se passe super bien! Ou presque, parce que je suis mort plein quoi! Mais bon, j'ai fait la blinde de vie quoi, franchement. J'ai pas souvenir d'avoir eu autant de vie la dernière fois que j'ai fait le jeu, la première fois. Bon, ok. Vapeur volcanique, allez! Dernier niveau de cet épisode, de toute façon ça va faire une demi-heure parce que je suis sûr que je vais encore crever plein de fois. Donc comme ça, ça s'en fait. On aura fait tout ce qu'on aura. J'ai essayé de faire une phrase. Oh, oh, j'ai vu le logo de Rambi. C'est intéressant. Là-haut. Ah, et j'ai entendu dire qu'on est. Ouais, je vais pas me faire toucher par ça quand même. Vous savez à quel point je kiffe Rambi. Alors, c'est sympa en tout cas, la fumée et tout là. C'est... Hop. Ok, Rambi, here we go. Ouf. Je crois qu'il défonce les murs. Les souvenirs sont bons. J'aurais dû m'en douter en fait que c'est juste pour ça. Évidemment, on met le thème principal. Bim! Oh. Le niveau avec Rambi, c'est cool, sauf quand c'est très cher. Oui, la logique m'envahit. Je dis de ces phrases des fois, je me. C'était très 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 risqué ce que j'ai fait. Je suis un malade dans ma tête! J'aurais peut-être pas dû. Attends, non, j'ai une idée. Yes! Parfait. Je suis un génie! Du mal. Pardon. Wouah! What's up? Merci. Mais arrête! Pourquoi tout se casse la tronche ici? Rambi, il est trop lourd! Oui! La dernière! Wow!
J'ai toujours peur de casser une un truc qu'il fallait pas casser et de plus pouvoir atteindre une pièce. Bon, ça, on s'en fout. Y a quand même des petits trucs, hein, y a quand même de la lave qui coule, hein, souvent c'est pas fun. What? Alors d'accord, déjà d'une, je suis mort d'un coup, et deuxièmement, j'ai bien vu ce que j'ai vu là, il y avait une lettre dans la cascade de... dans ça. C'est une blague? Regardez, regardez. Hop, elle est là. Ok, je sais pas comment j'ai fait, mais c'était de la chance. Ok... Ah oui, j'ai plus Diddy Kong, j'allais dire pourquoi je plane pas là. J'ai plus Diddy Kong là. Spring, 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 spring. Oh là 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 là, ça me colle aux fesses. Et là, il fallait courir. Rambi s'est cogné la corne contre un rebord. Ce fut la fin tragique d'un rhinocéros. Et d'un singe, je pense. Il y a aussi encore Donkey Kong aussi. Là. Ah non, ça, c'est l'autre. Je vais faire. Hé hey, où est-ce qu'elle est? Si, alors, cette fois on va speeder. Quand on devra speeder, bien évidemment, hein, pas maintenant. Maintenant, go 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 go. Allez, go 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 go. Vas-y. Vas-y, ma poule. Hop là. Ah. What? Mais attendez, mais êtes sérieux? Mais c'est quoi cette vitesse d'écroulement? D'écroulement, ça se dit? Oui, je pense. J'en sais rien. On dirait du miel. Ouais ouais, du miel. Du miel très 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 chaud alors. Et boum. D'accord, donc ça me bute d'un coup en fait. T'as pas genre non non non, c'est tu meurs. Mais non mais. Mais putain, mais c'est pas possible. Pourquoi il est descendu ce con? Oh là là, mais ça m'énerve. Ça m'énerve quand le personnage il fait des trucs que je veux pas faire, bien évidemment. C'est pas genre le personnage va faire un truc par accident, mais un truc bien, tu vois. Non, non, il va faire un truc par accident, mais complètement con. Un truc que t'as pas envie qu'il fasse. Parce que sinon, c'est pas funky. C'est pas funky, bon. D'accord, ok, bon. Zut. C'est tout ce que j'ai à dire. Un gros zut. Et je suis poli encore. Hein. Restons calmes. Zen, soyons zen. Combien de fois je lui dis ça? J'avais limite oublié qu'il y avait la lettre. J'ai sauté par hasard. C'est énorme. Et hop. N'oublions pas que cette plateforme est en train de se péter la tronche. Et que la vie est chiante dans ce jeu. Go! Allez, 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 allez. C'est comme un cheval. Ouais, plus ou moins. Go, 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 go. On speed maintenant, on s'en fout. On s'en fout de la vie. On s'en fout de ça aussi. Je m'en fous, je veux juste finir. En parlant de cheval, tiens. Ouais, je sais, c'était nul. Et bah voilà. Et en plus, on a récupéré toutes les lettres dans les 4 niveaux. Ça commence bien. Je dis bien bien. Bon. Alors, ce qui me fait peur, je dois vous avouer là, parce que la caméra a bougé, c'est moi. Elle me paraît un peu plus basse. Tant pis, c'est pas grave. Ça coûte juste un peu le haut. Bref. Donc là, on a fait 4 niveaux. Et puis là, il restera plus que 3 niveaux plus le boss final. Alors, je dois vous avouer un truc. Ce qui me fait peur, c'est que déjà, j'ai mis une demi-heure à peu près pour faire ces 4 niveaux-là. Alors, ça me fait peur de faire les 3 niveaux plus le boss. Alors, le boss final, je m'en souviens très bien. Mais je sais pas si je vais y arriver. Mais bon, ça reste à voir. Mais bon, je trouve qu'on a déjà bien avancé. En une demi-heure, on a fait 4 niveaux et on a toutes les lettres. Moi, je trouve ça très très bon. Bref, voilà. Bon. Donc, on va s'arrêter, hein. J'ai rien à vous dire pour une fois, c'est rare. Sinon, je joue très bien, d'habitude, c'est bien connu. Donc, j'espère que cet épisode 2 vous a plu. Laissez des j'aime pas, des commentaires, abonnez-vous si vous voulez. Et moi, je vous dis à la prochaine pour l'épisode final, logiquement, si tout se passe bien, pour l'épisode final de Donkey Kong Country Returns. Donc, il nous reste 3 niveaux et le boss. Et après, c'est fini. Oh yeah. Bref, une demi-heure, c'est parfait. Allez. Je vous dis salut.
et à la prochaine. Et on va essayer de pas tout faire tomber parce que ça m'a l'air instable.